fait la même opération qu'en 2011-17. C'est sûr que... Et puis on va commencer par... ce qui est le style iris. On va baisser l'iris un peu parce que là, franchement, là, c'est ben trop fort. Là. Ici, on va faire un... C'est un tabarnak des lumières. On a entre autres l'hôtel de ville. Et que ça flashe là-dedans. Faire un long arrêt. Baisser mon iris un peu encore. Oh, pas trop, pas trop. Baisser. Baisser mon zoom et tout. C'est ce coin de Taureau-Montcalm et... Ici, au Taureau-Coin de Montcalm, c'est un écarté, mais là, on arrive au coin de Montcalm et Saint-Joseph. Qui est d'ailleurs un oncle paternel, c'est sur le coin. Là, on est à Noirceur, j'aurais pu vous montrer que l'église Saint-Joseph a passé sous le pic des démolisseurs. On a ouais tout sur la rue Pineuf, sur la rue Léon 13. On a aussi des lumières spectaculaires qu'on va aller visiter à proximité de la rue Saint-Pierre, entre autres. De toute façon, on va pouvoir... On est au coin de Léon 13, mais je vais me rendre au Moffenay, la rue Montcalm, jusqu'à l'entrée de la Rio Tinto, là, ben, l'ancienne entrée de la Rio Tinto, parce que ça. Là, on envoie un peu sa rue Pineuf, ça, c'est des nouvelles de cette année. Là. Il n'était pas là en 2011. Ça. Mais 2010-2011, parce que là, on est rendu 2011-2012. Alors, ça se trouve être dans la nuit du 28 au 29 janvier 2012. Même si on t'a pas filmé, les stops ça font pareil. Bon. Je suis rendu au coin de la rue, on va couper la prise de vue pour s'en aller sur... on va repartir ça de la rue Chevrier. Bon. Voilà la dernière. On finit la prise de vue ici sur prise 1, là, sur Rio Tinto. Il n'y a pas de flambeau, il n'y a que de boucan. Prise 3, Chevrier. Ben, prise 3, prise 1, la rue Chevrier. Non, ben, du zoom, là. Puis là, on va être de côté la rue Pineuf, on va en faire tantôt. Crache de criage juste avant de faire cette prise de vue-là. Les affaires pour attirer la police. Là, on envoie un de la rue Léon 13, mais on va partir de l'autre bout. Là. OK, on part au nord de... On part du nord de la rue Léon 13. Chauffer et filmer en même temps, c'est pas évident. Là, ici, ils ont manqué un peu d'imagination, là. Ils ont mis des anges dans tous les poteaux. Puis les deux derniers, ben, ils ont sapré des... Pas comment ça peut se poser les babioles, là, ici, là. On rentre sur la rue Chevrier. J'aurais été quasiment aussi bien de la faire direct, hein. On va aller rejoindre la rue Pineuf. Après ça, on va voir le secteur du... On s'en va Pineuf. Ça, c'en est d'autres.
Ça, c'est ceux qu'on a vus tantôt en finissant rue Montcalm. Je l'ai mis sur manuel focus parce que de la manière que je tâte les 7, là, j'avais peur que ça se mette à chasser. Et stop. Changer de papatte parce que ça va mieux de la patte gauche, tout ça. Cette passe-là. Dépêchez-vous parce qu'il reste 7 minutes de film, puis 28 minutes de batterie. Quoi qu'on a le temps de le faire 25 000 fois. Puis là, pour prouver ce qu'on est à, on change de papatte. Puis après avoir fait le stop, on va se retourner directement où ce qu'on était au départ, c'est rue Montcalm, mais ça, c'est le setup, comme je l'ai dit, 2010-2011. On rentre sur la rue 7 puis 10. Et on va arrêter le filmage parce qu'il n'y a plus rien ici. Tabarnak, c'est du fun de pratiquer. C'est parce que t'as obstrué, tabarnak. Pas son webbing. God, est-ce que comment veux-tu faire une bonne prise de vue, toi, qu'un... C'est toi, challenge. Je vais pas long challenge. Je vais te faire faire des prises de vue dans Saint-Joseph, là, puis se pogner avec caméra d'un bord puis de l'autre. Là. Crayon à la merde m'a déplagué, sacrément. Constitue une nuisance klaxonnée inutilement dans la ville en plein air de Osterloo. Prise de côté. Au service Bertrand, c'est la dernière pause qu'on fait, c'est cheap.